bonza euti pa baninga biko abapaya pe songa kabiso na tango aliwa enzoka nde yango ezali bongo ya mwana mboka wapesi Congo démocratique likaboya kitoko boko mona katango eso pe mutu kwa mwana mobongiza mi au apa kwa mbanzoto ya tient tsekedi wa mumba bongo tozali bongo na mwana mboka to tokubenga mukolo disolo ya mutu kwa wana ezali tungisa ipa milimo abato mutu kwa uti wapi comme on a eu horizon masamba ya zali mwana mboka ya solo solo pe to somi na yao aibisa biso disolo ya mutu kwa oyo e utaki wapi. Merci maman mami lisolo ya mutuka oyo ezali likanisi ya biso bana mboka parce que na compagnie oyo ya biso totala ki ete tango ba kondiminene ba nzamba benga bango tozala rapenza na makoki ya ko rendre bango bonheur na dimension na bango na hauteur na bango te yango likanisi wana eyaka na lobi non il faut tosala eloko moko oyo et pesaka susu lokumu ya koleka na ba VIP na biso na kati ya mboka oyo ba nzamba benga bango yango likanisi wana yaki biso antake ba opérateur économique to chaki makoki poto sala eloko wana ndenge ezali wana batu bako kamwa balobi me eloko yango eza ya mindele ezali ya boete biso pe ba congolais to ali na capacité ya kosala pe eloko ya malamu yango to ako appuyer mingi liloba ya tata mokonzi Félix Antoine oyo alobaki ke maintenant akopesa makoki mpona ba opérateur économique ya mboka mpona kocréer une classe émergente donc lelo yali lokumu mingi biso totye eloko oyo mpona kohonore mémoire ya père ya démocratie eyali eloko ya mwana mboka eyali vision ya mwana mboka eyali eloko ya bapaya te ndenge tozali awa tozali na mutombo dikembe akati manso mpo ya kolela Etienne Tshisekedi wa Mulumba kasi molo wa mfyondo soki balingi koyeba bao bakolanda biso na nzela etandoke horizon masamba bisolo ya motuko tosololango na litoi na WhatsApp to na Facebook mpo olobi ezali likanisi ya mwana mboka kapo ya kopesa lokumu na lisolo na yango sikoyo tosolola na mosolo oyo mutu ombodikembe asimbaka to ndenge makambo ya mosolo te nde na auteur ya baweyi lokola lelo oyo ezali papa na biso Tshisekedi azali lelo hero national azali na talo te eza na motuya te oyo biso tokoki kotya mpona ye donc ezali likambo ya mbongo te ezali likambo ya valeur ya baweyi tomoni pepo ezali komema nzoto ya kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango wana esi elakisi zolo na yango ndenge tokolobaka minda mangali na mwa ngonga moke pepe wana ekonyata bongo mabele ya libanda ya pepo ancili wapepai maso mabongisami mpo akopesa lokumu ya suka lokumu ya munene na Etienne Tshisekedi wa Mulumba ministre mokonzi ya Congo ekola biso oyo azongisa molimo moya ya kolo nzambe eleki mbula mibale omokili ya noko kuna mboka Bruxelles mpe banso bazwa milelo awa mpo ya koyamba ye bongo tosilisa na ndeko ya biso wivi na njata mpo ya bayebazi bakoba biso sika na kikuti kuna matundu mingi mami lela bampenge losolo mpe na kati ya londa bifikula avion mekwisa kita na nganda ya ndeke ya njili kisika betu nyonso ke na kati ya kovingila kokuma ya nzutu ya mbuta Etienne Tshisekedi ya Mulumba ya mekumi na betu mekatuka na Bruxelles mpamba ve ya betu vonso vandaka kovingila libanda suka tala ntango ya ndeke kwisa kita ya mekuma ntango ya kumi na ivwa na makumi ivwa yina ke kusamunisa bza munta yina kele ya uve betu memona bonso yao kansi ya uve mapange lusulu betu kina kati ya kufingila kaka yina kele ndege yina ve betu kina kati ya kufingila avion ya kikumile betu na Bruxelles mapange lusulu mwa meso metala memona ni yandi kansi yoke yandi ve betu kina kati ya kufingila kukuma na yandi na bantangu fyoti ya liku kusabima kisika bantu nyonso kina kati ya kufingila nzutu ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya ikele mfumu ya pandaka mfumu ya UDPS betamonisa na benoti bankaka kituba ya beti moza beti moti beti zabati ya uyai ndeke yango ya uyai bametu bati ya ukele yai kenina ndeke betu bana vingila nzutu ya Etienne Tshisekedi ya mekuma ngemetu bayiki. Et voilà l'avion qui vient d'atterrir au Vindiata. C'est l'avion qui transporte la dépouille mortelle du Sphinx de Limété. Et là, c'est déjà les honneurs. Vous avez les officiers militaires qui seront juste au pied de l'avion.
L'avion est en train de faire ce qu'on appelle son taxi communément et ça sera stationné juste devant le parking numéro 14. Et tous les officiels sont ici présents, le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est également sur place. C'est lui d'ailleurs qui va tout à l'heure accueillir cette dépouille mortelle, un moment historique. C'est tout le monde, chacun avec son smartphone pour prendre l'image, pour immortaliser ces moments. Et c'est l'avion qui atterrit. C'est la musique de la garde républicaine qui est entonnée. C'est un moment solennel, un moment de résilience également pour ceux-là qui se remémorent encore les combats d'Étienne Tshisekedi. Le fait de voir atterrir cet avion 2 ans après sa mort, cela veut tout dire. C'est le couronnement d'un combat, c'est le sacre d'une lutte durant de très longues années. Et aujourd'hui, on peut parler d'un sacre, un sacre pour la nation, un sacre pour toutes les tendances politiques du pays. Ceci dit, la République démocratique du Congo qui vient de gagner et qui a toujours gagné, surtout dans des moments difficiles, les Congolais ont su se mettre ensemble, les Congolais ont su donner de la voix et s'accorder sur des divergences des fois criantes, des divergences qu'on croirait à qui ne seront jamais résolues, par exemple. Mais aujourd'hui, le Congo est ensemble. Le Congo, d'une seule voix, salue le travail abattu par ses dignes fils du pays, ancien Premier ministre, Étienne Tshisekedi Wamulumba, aujourd'hui est ovationné par tout le monde. Patrick Michel Mukui, on assiste à ces grands moments. Chacun de nous a les smartphones. Et là, c'est l'arrivée du directeur de cabinet du chef de l'État, accompagné de son épouse, qui vient d'arriver également. Et je crois que d'ici là, ça sera la sortie de la dépouille mortelle de l'avion. Et c'est le président de la République qui va accueillir. Et il faut noter par ailleurs que dans cet avion, il y a également le membre de la famille biologique du Sphinx délimité qui sont à l'intérieur, qui accompagnent la dépouille mortelle, mais aussi certains Congolais de la diaspora qui n'ont pas voulu rater cet événement, qui ont fait les déplacements de Bruxelles pour la plupart, de Paris, pour arriver ici à Kinshasa pratiquement à 20h, 19h pour passer ensemble ces moments de communion nationale. Patrick Michel Mukui, l'événement est détaillé. C'est vrai que le moment est fort, l'ambiance est de tristesse, si on peut le dire comme ça. À un moment donné, on croirait que c'est seulement hier que mourait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et pourtant, Étienne Tshisekedi Wamulumba a quitté la terre des hommes il y a plusieurs mois. Mais on sent une mobilisation. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'il s'agit d'une fête nationale? Eh bien, ce sont des hommages à la hauteur de la personnalité qu'a été Étienne Tshisekedi Wamulumba. Des sons vivants, l'ancien Premier ministre. Et aujourd'hui, plusieurs personnalités politiques s'identifient à ce grand monsieur, si on peut le dire comme ça, c'est ce nom de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais sont très fiers de citer les noms d'Étienne Tshisekedi Wamulumba quand on parle politique au niveau continental et international. Et à voir la mobilisation, on se dit que les Congolais sont fiers de la personne qu'a été Étienne Tshisekedi Wamulumba. En image, vous voyez par exemple l'ancien Premier ministre Matata Ponyo aux côtés de l'actuel Premier ministre Ilunga Ilukamba. Cela témoigne donc de ce qu'a été la personnalité qu'a été Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est vrai que l'image est très très forte. Il suffit de voir ce qu'il y a à l'extérieur, la mobilisation. On se demande à quelle heure va atteindre le centre-ville, donc ce cortège funéraire de l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi Wamulumba, parce qu'en dehors de l'aéroport, il y a une foule, il y a un monde fou qui attend donc ce cortège pour l'accompagner vers le centre-ville. Le moment est donc très très fort, Cédric, nous sommes là pour le vivre également. Effectivement, Patrick Michel Mukui, Étienne Tshisekedi, c'est le dénominateur commun de tous les nationalistes congolais, et aujourd'hui c'est la preuve
visible de ce qu'a été cet homme d'État, cet homme politique congolais. Et le combat de Tshisekedi, c'était également le combat de la société civile. Nous avons avec nous Christopher Boy, vous êtes membre de la société civile, vous avez connu l'homme et vous étiez à ses côtés à un moment donné dans sa lutte. Oui, je l'ai connu, j'étais à ses côtés pendant une très longue période et même au dernier moment de sa vie, dans le cadre du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Et lorsque nous devions aller à la CENCO, moi j'étais à l'extérieur pour les soins médicaux et il avait insisté que mon nom puisse figurer sur la liste des participants à ce dialogue. Et lorsque cette nouvelle est arrivée, la nouvelle de sa disparition est arrivée, je m'étais rendu à Bruxelles pour la messe de suffrage qui fut organisée. Et maintenant là, je suis en train de voir, c'est la même stupeur que j'ai vécue à Bruxelles. C'est la même stupeur, sauf qu'ici, c'est le peuple congolais qui est debout, le peuple congolais qui est mobilisé pour lui rendre un vibrant hommage. Et là, je crois que le peuple qu'il a surnommé le père de la démocratie ne s'est pas trompé. Pourquoi ? Parce que sans lui, sans son combat, ça c'est qu'il a fait, le Congo qui s'appelle République démocratique du Congo n'aurait pas, ne se serait pas réconcilié avec sa véritable identité qui est la démocratie. Donc nous sommes sur ses pas, nous nous battrons pour que son idéal puisse triompher à jamais. C'est donc le rendez-vous de l'histoire. La naissance fait partie de ces événements heureux que nous connaissons dans nos vies. La mort, certes, un moment de tristesse, mais pour certaines personnalités, pour certains personnages qui ont cette particularité de porter la voix de la masse, ça a été toujours un moment de bonheur, ça a été toujours un moment d'unité, un moment également des leçons, les cas de figure, des leçons politiques. On s'est dit, l'on doit se battre pour un idéal, l'on doit se battre pour une vision. Étienne Tshisekedi, c'est la constance dans ses idées. Étienne Tshisekedi est resté égal à lui-même malgré les brimades, malgré les difficultés de tous ordres. Et certains, surtout à l'Occident, on l'appelait même l'éternel opposant. C'est pour dire que Tshisekedi poursuivait un objectif. Tshisekedi avait un idéal, contrairement à ce que nous connaissons en Afrique. Et ce genre de personnalité, d'aucuns disent qu'ils reviennent très souvent après 25 ans. Une génération peut-être pour connaître quelqu'un comme Étienne Tshisekedi, Laurent Désiré Kabila, Félix Antoine Tshisekedi, Joseph Kabila, de personnages très rares dans l'histoire d'un pays. Patrick Michel Moukouille, c'est la fanfare de la garde républicaine qui est entonnée. Le dispositif s'est mis déjà en place et là c'est la manœuvre pour la sortie du corps. On voit les forces de sécurité déjà à la manœuvre et bientôt là le président de la République sera au pied de l'avion pour accueillir la dépouille mortelle. Mais déjà, peut-être que ce n'est pas sur les images, nous voyons la sortie de passagers à bord habillés en t-shirt à l'effigie du sphinx délimité. Et voilà les images. C'est pour dire que la sortie de la dépouille mortelle, la descente, c'est pour bientôt, quelques minutes seulement. Et nous sommes en train de vous faire vivre cet événement, chers téléspectateurs, en direct sur la télévision nationale, la RTNC. Ces moments inoubliables, ces moments émouvants. On a du tennis, on était là depuis 6 heures, le direct dans le corps du journal des 7 heures. Et puis et là, on m'apprend, c'est les petits-fils et les petites-filles d'Étienne Tshisekedi qui entrent dans le bus et ils vont monter dans l'avion, certainement, c'est dans le cadre de nos accoutumances et coutumes, traditions pour accompagner
la descente de la dépouille mortelle. Donc c'est pour dire que la famille biologique est également active pour rendre un dernier hommage à Étienne Tshisekedi, cette grande personnalité de la politique du pays. Au nombre des invités des marques, en dehors des officiels du pays, les chefs d'État des pays frères feront également leur déplacement, feront également le déplacement de Kinshasa pour assister aux obsèques d'Étienne Tshisekedi. Et là, nous avons les images de l'avion, c'est la veuve qui descend de l'avion, Maman Marthe qui descend de l'avion, la veuve Étienne Tshisekedi qui descend, un moment chargé d'émotions. Charlotte, nous voulons annoncer cet événement en Tshiluba. Pastor Gilles Cédric Nina Batangi tu par RTNC nene bonso de mukasa imunena mam Marthe Kasalune yeutu luko kundeka mamunu jibamune u musombe biji mu bibiji bya kabamba ni ngondu nayi uji le bayende chenchi sekedi wa mulumba kacha walfwa mam Marthe Kasalu vono kacha wa vanga la panche uji la musombe le bubajila kwetu kuba mwana musombe le bajila kwetu kwa kanaka munkumbaji boku kuba mwana wakasai wabalengi na wakushinta diminu mamu Marthe Kasalu kalumbanji ujimuleshe ba mamu bavule chilejelu cha ba mamu kulonda buba mamu babone lelu beli lansu ya mani bakaji mulu maufo lelu matu kwa biji ya satu basa luendu bidimu bibiji ni ngondu inai ujimujila tatu chene chisekeji tuasa kijila ni mbakusele uchi mwana muteketa ni toni lelu ya uji mshindikisha tatu chene chisekeji wa mulumba toni kulufluenda tutukaile tuasa kijila bidimu vita kumunya tanu baba somba popo mwe mbalu bukola bwabana babakashi balelu batangidi ba RTNC nwenu bonsu badi kukalambai kwa kabo nwanchila nwenu badi kwa mpiana kubena mfumu mnyabu yosu nujinashu kuba kwa mulumba bakwa ntombolo kwa kanaka kwa mupompa nwenu bonsu nujibomona mushindu ujimahamu Marthe utuluka munde kampolo kwa mbase mubiji wa Etienne Tshisekedi doktor wakumbeli wajambe jambeji doktor mumyanda ya mane mabomu ntoni duwa munda mwatu kandi tudya kongwa munga la Etienne Tshisekedi wa mulumba mufete diplome jine neji nkacha tuji tufete jifanda jetu ye hendo fete diplome jine neji tangila muji mwikala mwanisha bwa kunemesha bana ba mwene kongwa munga la ta ni kulwangesha bukalenga bubi bwa kanyao Etienne Tshisekedi wa mulumba lelu badiba kutuchile bikashi munda mwabula babushima chefela fela wefela mtenda wefela ni mafuma wewa ujimuwa maiwa kanyinda lelu wanda ye ubonsi badiba machi binso njimi abidi bikala basanga nyibwa wakukuseke lela chintunta mledi wabaka lenga mpuka chintunta tulutukele tosa kujilo wa manza antenta bwa abionsu bidi mikala mwenzela jitu ngadia kongo wa munga lata urichile jelu bwa ababonsu badi bikala munda mwa jitu ngadia tubanfu mbonsu ni bavwa kufingana kajitu ndumanyisha bwa se mujibama na kutuluka nungweu fashishe mubiji wa cheni Tshisekedi wa mulumba ni ushisho kutuluka Etienne Tshisekedi wa mulumba mulele mchili mchachi nunka machitema ni makunyasa tu ni chibiji lelu wandaye unu nkwewu nki chikondu ni jibo chidi ujata bwa musanga wandekelu bulaba bwa banka mbo benda bulaba bwa kasavubu bulaba bwa lumumba bulaba bwa bonsu badibika laba fuila bwa mwanda wajitu ngaja kongu wa mungalata bantu badimuabe bafula fula inu amono banena ba nzambi bajifu kuji mutatu mkubi wantenji wa Kinshasa Fridolin Ambongo bajifu kuji tatu mkubi wantenji wa Kala Monseigneur Laurent Mosengo Pasinya ni bajifu kuji mwanabu menemena ni papa Etienne Tshisekedi wa mulumba ki Monseigneur Mulumba Gerard ukaji mwikala mwana kushikisha mji mwendo wa bomo senere kaji fatu kitwa kulafa ujufa ndo kuchifalwe ko bavuhu kujeveke mukuna ni bako abo bena nzambi bonsu batuta mitu kumakoshi baleja bamba bwase bulele la bukalenga bwa mpinje u buvubika le bushintuluka mbukalenga bulele la butumwa kutungunu jadi tungele tuda kongo wa munga la tachena nkaya nginasha tudi bavula tudi ni bena lingala tudi ni bena chisawuji tudi kabijinashi ni bena chikongo kajinjenga njikufesha mami lele mukashi wa bena kasasa wavo kwa kule penda mumu wakulu wa lingala mamile le mkazi wa bena kasasa kwa sakidi la Charlotte Kabanga wangwa impofu
Baye boza yako andabiso na kananga malandi wa nshinga boye bate awa maso masima bongisa mi pepo e mimi bongo nzoto wa etiem tisege duwa mulumba esili kokoma pe molonga ni waye mama Marte oyo uto mbula ibale ya duwa mbali ya nyataki nal mabele ya kongo demokratiki de ye asili bongo kita azwa misika na motu ka mwemo zeli komune kome mabongo ina ndako pamba te manaka na mabongo se milelo zeli te sima ya ibanda ya pepo njili toko kende malembe malembe te na morgue ya 50 nere yambote etiem tisege duwa mulumba nzoto wa ye enya tabongo mabele ya bakoko ndenge maso babongisa mi wabiso Cédric Kenina oyo tozali na yawa oyo akolimbola maso mabaza ye kolanda na kobama na lokota li français tozali mpe na bona milongo bona milongo sale bona milongo batoto ya manyema kuna na kindu kindu bazali kolanda maso bazali kolanda onzela ya RTMC kasi esengeli mpe bazali kolanda biso na kolozi ya lisano kuna na lwalaba olimbo ya bango na swahili maso na emani kosalema. Asante mami Lela na wasikilizaji na watizamaji wa RTNC, ni kwamba tuko hapa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili ambako mwili wa kinara wa zamani wa upinzani Etienne Tshisekedi umetoka kuwasili, umewasili hapa saa moja na dakika 20 za hapa mjini Kinshasa, sawa na saa mbili na dakika 20 za mji wa Goma. Kwa wote wanaotufuata ni kwamba bado mwili haujatolewa kwenye ndege, lakini tayari mjane ama mke wake Bibi Marte tayari amekwisha wasili na ametoka kwenye ndege, na hapo imekuwa ni jeneza hiyo ambayo mnaiona hapo ambayo imetolewa baada ya miaka miwili, na jeneza tayari imefika hapa. Kwa kweli tutaendelea kuwaambia kuhusu kinachoendelea kabla ya heshima kuweza kutolewa hapa kwenye uwanja huu, na kwa hiyo tutawapitisha kwa wenzetu wote ikiwa na bendera ya taifa. Jeneza hiyo ambayo imekuwa na rangi nyeupe na imeletwa hapa kwenye uwanja wa ndege. Voilà, Salem mwana milongo, c'est la sortie de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi. Nous sommes en train de vivre l'événement en direct sur la RTNC et le cercueil couvert du drapeau de couleur nationale. C'est pour montrer la dimension patriotique qu'avait Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le moment est donc historique. Vous voyez toutes les personnalités ici. C'est un moment particulièrement émouvant. On sent la charge émotionnelle monter d'un cran. Quand bien même qu'on était dans la joie, la ferveur, avant même l'arrivée de la dépouille mortelle, maintenant on constate que c'est le président de la République est là, le président de la République s'avance vers la dépouille mortelle. On sent cette difficulté d'admettre cette réalité, cette tragédie, cette réalité fatale qui nous sépare d'une grande personnalité. Et une chose est vraie, que Etienne Tshisekedi est décédé il y a de cela 2 ans, mais aujourd'hui, revoir sa dépouille mortelle, c'est quelque chose d'immense. Là, c'est Monseigneur, c'est l'archevêque de Kinshasa sur ces images. Et les frères du chef de l'État, le frère biologique du chef de l'État, qui est également là, Monseigneur Gérard Mulumba, les présidents de la République détendus, coiffés avec... voilà, ça c'est l'ancien évêque de Mweka, qui est également là, le jeune frère du Sphinx de Limété. Le moment est unique et les images parlent d'elles-mêmes. C'est le président de la République qui s'avance petit à petit, saluant également les officiels sur place. Un moment difficile, un moment très difficile. Là, c'est l'archevêque de Kinshasa qui va certainement prier autour de la dépouille mortelle. C'est pas l'archevêque, c'est Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, qui se met autour du cercueil. Et à côté, nous avons le président intérimaire de l'UDPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, qui est également là.
c'est les débuts. Là, c'est le protocole qui va certainement disposer de ce qui va se passer par la suite, après la bénédiction même, après la descente de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. Le président de la République lui-même s'avance, je viens de le dire tout à l'heure, qui sera bientôt près de la dépouille mortelle. Wivine, si vous pouvez nous décrire cet événement à Kikongo pour nos amis qui nous suivent dans le Grand Bandundu, mais aussi dans le Congo central. Matundu mingi kenina bampange lusulu betu kilekaka awa na nganda ya avion ya njili kisika betu pandaka kufingila nzutu ya mbuta Etienne Tshisekedi wa mulumba ya imikatuka kukumina betu nekatuka Bruxelles kisika ndifuaka pe bubu yae ya mekukisaba mvula zule samu na kusa kuma na mbanza Kinshasa nzutu na yandi ya uina bina kata kumuna ya kikusa monisa penza nganga nzambi mbuta nganga nzambi yina kile mpleki na yandi penza Gerard Mulumba na yina kile monseigneur ya dibuta mosi ya vandaka mosi pangia vandaka mosi mosi ya mweka mosi la bokila kansi beta tendo ya benoti yani yina kile peni na nzutu ya pangi na yandi ye umefua kubanda wambula zole ya yina baki na kusa kumonita penza nzutu ya mbuta Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya mekumina beto bubu yae bampange luzuri bifana zabati na kukuma na yandi wapi bantu nyoso kina kata kumulisa mpasi pina mawa awa na nganda ya ndeke ya njili bantu kedila ataku andi misalaka bambula zuri kuna mpasi pina mawa kini natima ya bantu ya wina buwa kina kusa na yandi malembe malembe kina kusa munisa penza nzutu na yandi bata kusa mwenisa diaka na nkuna tanzu tunane nzo ya maditi ya l'hôpitalo ya Saint-Catenaire. Kansi, mepe sandinga na mama Charlotte, kabanga, tukusa tendula na ndinga ya Chiluba. Uifini jata, jitu kujalelu, mbana bamona konka bena mwakuji kwa mwoyi nasha, tangila imu biji wa Mulumba, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, nwa wa ukaji wenda ulua, Jean-Marc Kabund, Udumikala, Mulumbu di chindonji wa chima mwanda bukani na ujibu wa kuishi kie ya ukumpa la bajibu ukuji mwazanyara wa Gerard Mulumba wa kala wa kumweka malu admika la maleja se edibi ndeke biaka na bionsu badibi nda bende bija benda batone nda bija wenda ulo mutangila bana ba mwono kukumia bionsu mbika la basanga nyibwa tuta ibika shela itu nkundulila Etienne Tshisekedi wa Mulumba mpuka chingu tunta Chendo ntamuleji wa bakalenga, nyeye wafiki, mujito nga lenda ya kongu wa munga lata wa kumujila, nye kumushika biaka na mshindo vubika labi kenge jibwa walibu wabu nashe yeye muro kumpala kwa kaa, kabifu makuweza kamushindo ya unashe kakitangila ye mujilelu wanda yehu mbienza kabilenga bila ya, basa lai badibenda basa kaka la sisa ni chita lucha mukalenga, Etienne Tshisekedi wa Mulumba chenda chiseme na umwe ibiji, umwe ibiji, umwe ibiji bajibajila, bajibajila, bajibika labalejiji sanka, bajibalejiji sanka walibu wa mujimu mkwata kuje Etienne Tshisekedi wa Mulumba umumika la doktor wa jambeji mumianda ya toa munda mwajitu nga jetu mujimu wa kwenza kwa sebana ba mwena kongo, ba mwena mshindu wa kukala beyele biakana bajabu ukuta, balonga kalasa biakana, ba mamu baneme kibwa mungu weza mungu wambula matali mfuta biakana kiwi ya nda mvita idi mkala mulu wangana munda mwajitu nga jetu munda mwabiju mwaku mnyasa tu ni mwanda muteketa kacha kuchini mchachini nunga mshitema ni mwaku mwanda mungu ni chibiji kufububika la baza chisumbwe chinungu cha ide pesa mbu wakumuna mshindu wakutanisha bana ba mwene kongo mshala kumemipa buwase mwabu utujewu bantu bonsu bajibika la talala batangila mshindu nishita lucha mkalinga Etienne Tshisekedi chende chisemena mwarkepiskopo Fridolin Ambongo ujimutangila nteji wa Kinshasa ujimuabeu walibwa yeye mshuka kundekelweku kajibi nenda baku wabu bakavu vuvumuji mwarkepiskopo wakala Monseigneur Laurent Mosengo pasinya bajifu kujibantu bafula fula yetu amonu bamuto mbujike mba mula wafiondu mbafuma kwa kakuma katenda mtoka mchari kumatunga manena bafu wabu wakufu kujila Etienne Tshisekedi wa Mulumba mwabe ujibantu bashile shilangana bajibafuma kukasai bajibu nubamu na maweje Junes ujimuika la gouverneur wa Kasai Oriental tuotu bakula kunenda bwakule jamu shindu ujibu enda wele menshi ni wambi bwani
Patrick Michel Moukoui, là, nous sommes en train de vibrer sur les pas cadencés de la musique de la police nationale et de la garde républicaine. Et la dépouille mortelle s'avance vers le salon d'honneur et ça sera la sortie vers le pavillon présidentiel. Pas essentiellement au pavillon présidentiel, mais avant le pavillon présidentiel. Mais c'est déjà les pas cadencés. Le président de la République est là, le couple présidentiel est là. On sent qu'il y a de l'émotion, ça c'est vrai, de l'émotion, mais aussi de l'honneur face à un combat qui est arrivé à un but, un combat qui a atteint son objectif, c'est-à-dire l'éveil de conscience. Patrick Michel Moukouille, le moment est historique. Exactement, c'est vrai qu'on peut imaginer les sentiments qui animent en ce moment le premier de Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui retrouve donc la dépouille mortelle de son feu père, donc son papa biologique, mais également son père politique, il faut le dire comme ça, parce que c'est un événement à double sens aujourd'hui. En tout cas, la population de la République démocratique du Congo est en train de pleurer. Un ancien premier ministre dignitaire du pays, mais également une image forte de la politique de la République démocratique du Congo. C'est difficile à décrire, Cédric Enina. Nos amis qui sont en province ont également besoin d'entendre ce qui se passe ici, la description de cela, et nous allons accorder la parole. Oui, entendre cela en Tshiluba, c'est beaucoup plus sociologique. Entendre cela en Tshiluba, pour moi, je me dis, ça fait sublime. Charlotte, vous avez la parole pour nous. Thank you.
kuhua nufu banje kuhua kwa kulekelese mfumuaji tunga amuna mshundu wakuta chanza pachi taluchata tuenda ni mamu denizi nyankiru nudibo mwanajibunga majijijine na kunu kuchuholu chandeka bantu bajibajila miaji bajibenza kalesisa bajibenza mukalenga waba kalenga echene chisekedi wa mulumba echene Chers téléspectateurs, le moment est unique. Nous vous avions laissé un moment savourer cet instant, méditer sur l'arrivée de la dépouille mortelle de Étienne Tshisekedi. Et là, c'est le cortège qui se constitue. L'on se pose la question, le président de la République est justement derrière la dépouille mortelle de son défunt papa, dont il est l'héritier idéologique, l'héritier politique. C'est lui qui porte désormais, Félix Tshisekedi Tshilombo, les ambitions nobles de Étienne Tshisekedi. C'est lui qui porte désormais, ça il faut le dire, la destinée du peuple congolais. Félix Antoine Tshisekedi a sur ses épaules le poids de ce slogan qui aujourd'hui est un credo pour nous tous, les peuples d'abord, la population congolaise en avant-plan. Et là, les cortèges se dirigent vers les véhicules spéciaux dont on venait de faire allusion tout à l'heure avec Mamie Ilela, de notre compatriote Horizon Massamba. Et ça, c'est un bel exemple de l'initiative locale. On le voit et c'est fleuri, c'est bien présenté, bien aménagé à l'intérieur pour la circonstance et c'est pour les grandes personnalités de ce pays. On s'est dit la République démocratique du Congo, chez nous, l'imagination, ce n'est pas ce que nous manquons. Et là, l'événement continue. Nous sommes en train de voir sur ces images que vous propose la Radio-Télévision nationale congolaise qui restera à jamais aggravée. Gravé plutôt dans la mémoire collective. Là, c'est Monseigneur Gérard Moulumba, le chef de la maison civile du chef de l'État, qui est frère du sphinx délimité Étienne Tshisekedi, le président intérimaire de l'UDPS, qui est également premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Tous ont accompagné, chacun à ce qui lui concernait, la vie de cette grande personnalité. Gérard Moulumba en tant que frère, Gérard Moulumba, c'est aussi le côté spirituel d'Étienne Tshisekedi à travers les conseils, un accompagnement spirituel en somme. Jean-Marc Kabound a lutté aux côtés d'Étienne Tshisekedi. C'est le tout dernier secrétaire général de l'UDPS, laissé par les patriarches Étienne Tshisekedi. Et là, la musique continue. Il y a dans le lot, dans ces groupes de personnes, il y a également la famille biologique du chef de l'État qui est derrière ce cortège funèbre. La famille biologique qui a accompagné le sphinx durant les moments difficiles de sa maladie. La famille qu'on a vu descendre en premier de l'avion pour accompagner également la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. Le président de la République, on vous a laissé savourer le moment qui a posé sa main sur le cercueil d'Étienne Tshisekedi. Tout un symbole, tout un message pour dire « Papa, nous allons continuer la lutte. Papa, nous allons continuer et nous finirons par matérialiser votre vision que vous caressez tant, notamment un Congo fort, un Congo uni, un Congo qui restera uni pour toujours. » Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, le moment est unique et là,